Bonjour à tous, alors cette semaine on va faire une vidéo sur le thème du cheval. Un commentaire de Yuni m'a suggéré de faire une vidéo sur 10 têtes de chevaux. Ça faisait un petit moment que je voulais en faire une sur le cheval, je ne savais pas trop quoi faire et comment aborder le truc. L'idée m'a plu et donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur le panda et les têtes de singe, je vais vous expliquer très rapidement le principe. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner d'après photo en analysant comment est foutue la tête d'un cheval et ensuite on va s'amuser à en dessiner nos propres versions. On va commencer par une photo de profil et ensuite on va faire une photo de face. Alors on commence comme d'habitude par des formes simples, on simplifie ce qu'on voit. Un trait comme ça, ensuite pour le museau on peut faire un cercle, ensuite on fait un trait qui... En fait on va faire deux traits qui s'évasent un petit peu comme ça. Et ensuite on peut remonter ici pour la mâchoire et la délimitation de la tête avant de passer au cou. Ensuite pour le cou, alors on a le haut du crâne ici et ensuite ça descend comme ça. Ça fait une sorte de courbure. Après tout dépend de la position aussi du cheval. Et en général le cou part vers le milieu de la mâchoire. Donc en fait pour la mâchoire on peut faire un cercle aussi. Et vers le milieu de la mâchoire on trace un trait. Donc les yeux pareil. Un trait au milieu du cercle, on va pouvoir situer l'œil. Et donc du coup ce trait là remonte, va nous permettre de placer les oreilles. Alors une fois qu'on a fait ça, on va avoir un deuxième, donc ce cercle là on va le travailler un peu plus. On voit que la mâchoire fait ça, ensuite ici ça dépasse aussi, ici on a la bouche, voilà. Donc là prenez soin de bien observer l'inclinaison au niveau de la narine, des lignes ici. Donc là on a fini, donc là maintenant on va attaquer le haut du crâne ici, donc on a une petite excroissance à ce niveau là. En fait cette excroissance vous la placez dans le même axe que cet œil là, puisque normalement ici il y a l'œil. Pour l'œil vous pouvez placer un rond, mais si vous voulez faire ça mieux, vous pouvez faire ça par exemple. Et ensuite cette ligne là va rejoindre les deux cercles ici. La mâchoire, après on peut travailler un peu plus l'inclinaison, enfin la forme des courbes ici. Alors maintenant on va faire la version de face. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment s'enchaîne la mâchoire, le museau, et là qu'est-ce qu'il y a ici, pourquoi il y a un espace vide, etc. Ça va nous permettre d'appréhender aussi cette zone là, parce que quand on le dessine que de profil, on aura un peu de mal à l'appréhender. Là idem, on a un museau, on a une espèce de tube comme ça, qui va s'évaser. Voilà, donc là j'observe juste la forme générale, donc c'est assez simple. Et donc en fait là on observe qu'on a ici une zone comme ça, c'est la zone du nez, et ici on aura les yeux, et la mâchoire passe en dessous. Les oreilles c'est un peu comme des feuilles, hop. Voilà, donc maintenant si je vous montre les traits de construction en rouge, on a un cercle ici, on a un cercle plus petit ici, et on a cette forme, et cette petite excroissance ici, qui correspond aux yeux. De face, c'est un peu différent, donc... Et on a la mâchoire ici. Et par-dessus vient ce tube qui est le museau. Le cou et la largeur du cou correspondent plus ou moins à la largeur de la mâchoire. Voilà. Donc là, je dessinais une croix pour permettre de bien faire la symétrie et aussi pour placer les yeux. À partir de ça, on va essayer de trouver des têtes de chevaux différentes. Le plus naturellement, quand on dessine un cheval, on va le dessiner de profil, de cette façon-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les dessiner de profil. Comme on a fait tout à l'heure, on va placer des formes simples. Un premier cercle. Un deuxième cercle et puis un trait qui part comme ça. La crinière est un élément que vous pouvez utiliser pour le différencier des autres versions. Alors ensuite je vais en faire un deuxième. Alors ce qui peut vous aider aussi à faire des têtes différentes, c'est de jouer sur les proportions de ces cercles là, de cette forme là aussi. Donc là je vais un peu changer les proportions qu'il y a là. Voilà, bon, il a une tête un peu chelou, mais on voit que c'est un cheval encore. Alors je continue. Donc là, je vais changer encore les proportions. Alors on va lui faire une petite crinière pub pour shampoing. Donc là j'ai changé les proportions ici, au lieu de le faire comme ça, le museau ici, plutôt deux lignes parallèles. Alors maintenant la suite. Alors là je vais faire une crinière cheveux bien raides. Encore un autre, alors on en est à 4. C'est un peu moins facile que le singe et le panda. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. On est à 5. Là, je vais continuer non-stop, je vais pas m'arrêter. Et voilà pour le 10e. On va tous les mater là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'arrive pas tous à les faire rentrer dans le cadre. Comme ça, vous avez une vision de l'ensemble des dessins que j'ai réalisés, des différentes têtes de cheval. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!